Ah, voilà. Chérie? Marie, laisse-moi gérer. Je dois partir. Mais attends, calme-toi. Dépêche-toi, faut que j'y aille. Calme-toi. Attends, attends, je te devance. Oui, Gladys. Tu annules tous les rendez-vous d'aujourd'hui. Je dis tous les rendez-vous d'aujourd'hui. Merci. Eka, depuis quand tout ceci a commencé et qu'est-ce qui en est la cause? Depuis très longtemps, je menais cette vie bien avant de te connaître. Ça veut dire que tu es lesbienne, c'est ça? Eka, tu es lesbienne? C'est simple. Écoute-moi bien. Tu vas devoir choisir entre le lesbianisme et moi. Toi. Toi, Eka. Thank you.
Je suis désolée, chérie, pour ce que tu viens de voir. C'est normal que ça te fasse vraiment mal. S'il te plaît, pardonne-moi. J'implore ton pardon. Chérie, dis quelque chose. Ton silence me fait mal. Pardonne-moi, chérie. Pardonne-moi. Comme je te le disais hier, j'ai connu cette vie lorsque j'avais 14 ans. Je n'ai jamais pensé me remettre en relation avec un homme. Car les hommes, je les déteste. Tu ne vas peut-être pas me croire, mais tu es le seul homme que j'aime sur cette terre. Même mon propre père, je n'éprouve aucune affection pour lui. Toi, tu me combles. Et je me sens tellement heureuse à tes côtés. Mais l'habitude est une seconde nature, dit-on. Et j'ai replongé sans le prévoir. L'habitude est une seconde nature, tu dis. Ça veut dire que tu n'es pas prête à laisser la vie de lesbienne que tu mènes, c'est ça? Réponds-moi, Eka! Pas vraiment. Mais je voudrais que tu comprennes que... Ça suffit maintenant, Eka! J'ai compris. J'ai compris que c'est difficile pour toi de laisser cette sale vie que tu mènes. Et moi non plus, je ne suis pas prêt à avoir comme épouse une lesbienne. Tu m'entends? Chérie! Maintenant, va-t'en, Eka! Je t'en prie! Je ne veux plus te voir, Eka! Lève-toi! S'il te plaît, je t'en prie! Eka, dégage! Je ne veux plus te voir! Demain, je passerai chercher le reste de mes affaires.